Coucou tout le monde, je me retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo en fait pour mes cadeaux de Noël. Donc 2013, ouais. Donc, ou 2014, n'importe. Juste avant de commencer, je vous montre mes cadeaux. Donc ce n'est pas pour me vanter. Voilà. C'est parce que j'aime bien. Enfin, je voulais vous la faire, je trouve ça sympa. Désolée, hein. Je sais pas si vous entendez, mais je suis la voix un peu cassée, mais c'est pas très grave. Enfin, voilà. Bah voilà, donc c'est pas pour me vanter, donc venez pas me dire des trucs. Bref. Donc je voulais faire cette. Enfin, j'avais fait cette vidéo le 25, sauf qu'il y a eu. C'est compliqué du coup, bah, je suis désolée. Donc joyeux Noël quand même, même si on est en retard. Voilà, je suis vraiment désolée. Donc bah, je vais commencer tout de suite. Donc, alors déjà, j'ai eu un parfum. Donc, je vais essayer. Un parfum comme ceci. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est une évidence. Donc, bon, bah, je crois que vous avez vu la marque. C'est le Rocher. Ils sont juste trop longs. J'adore. Donc, un parfum. J'adore. Et avec, j'ai eu bah, le gel douche parfumé. Donc, ils sont pareils. Et j'aime bien. Enfin, vraiment, il se dévisse comme ça. Et après, bah, c'est comme ça. Et j'adore. Voilà. Donc là, je suis trop contente de ça, en tout cas. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu une bougie. Donc, voilà. Au fond, c'est un peu des fleurs, tout ça. Donc, je sais pas, je sais pas si vous voyez. Il y a un petit ruban ici. Donc là, et on a une couche de blanc, une couche de vert, une couche de blanc. Et là, il y a la petite mèche. Voilà. Donc, ça va être super. Voilà. Ensuite, j'ai eu une sorte de coffret. Bon, là, j'ai enlevé du coffret, mais c'est pas très grave. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, bon, tant pis, de toute façon, il y a la marque ici, c'est Rocher. En fait, c'est la collection cacao. Et donc, c'est cacao. Donc, c'est un gel moussant parfumé au cacao à la framboise. Il y a 300 ml. Pas mal. Voilà. Et il sent vraiment trop. Moi, j'aime bien. Moi, franchement, j'adore. Donc voilà, j'ai eu le gel douche. Ensuite, j'ai eu la crème pour les mains. C'est ce que je préfère. Franchement, elle est. Oh là là, ça sent trop bon. Donc, pareil, la collection cacao. Donc, cacao et framboise. Voilà. Donc, crème hydratante pour les mains. Cacao et framboise. Voilà. Donc, il y a combien de. Il y a 75 ml. Voilà. Et franchement, j'adore. Donc voilà, c'est blanc. Bon, j'adore. Donc, c'est vraiment parfumé sur les mains, ça sent trop bon. Donc, enfin, au début, j'aimais pas trop, mais en fait, après, j'ai. Ça sent le yaourt parfumé à. Aux fruits rouges, hein. Vous êtes pas trop folle. Vous dire, ah, c'est pas bon. Et mais en fait, ça sent trop bon. Là. Et j'ai eu le gel lavant pour les mains. Voilà. Donc, au cacao, la framboise, toujours, la collection cacao. Il y a 300 ml. Je préfère. Donc, c'est marqué gel lavant pour les mains au délicieux parfum de cacao et de framboise. C'est abondant. Voilà. Donc voilà, c'est trois produits que j'adore. Je suis vraiment contente d'avoir.
Ensuite, j'ai eu un baume à lèvres, Hirochi, comme ça, et au numéro 11, Rose Doux. C'est marqué à l'extrait d'amande douce, protecteur et nourrissant. Donc il y a 7 ml. On est là. 7 ml. Ça sent vraiment la rose, quoi. C'est vraiment doux, ouais. Ouais, j'aime beaucoup. Désolée. Voilà, un petit bout de ma lèvre. Et ensuite, j'ai eu 3 vernis. Donc, pour commencer, j'ai eu un vernis. Voilà. Donc, c'est toujours Yves Rocher, comme vous pouvez le voir. Donc, vernis brillance. Haute couleur, haute brillance. Il y a 5,5 ml. Voilà. Désolé si vous entendez du bruit. Voilà. Et en fait, c'est couleur. Violet foncé, un peu, j'aime bien. Je trouve qu'il est beau. C'est un violet foncé. Je l'ai pas encore testé, donc je vais regarder. Voilà, ensuite j'ai eu un marron. Je trouve que c'est mon préféré, il est trop beau. Donc pareil, vernis brillance, haute couleur, haute brillance. Donc il y a 5,5 ml. Et c'est un marron comme ça. Il est trop magnifique. Et je sais pas si vous voyez, mais il y a des reflets plus foncés. Et en fait, c'est celui que je porte là. Donc vous voyez, c'est pas la même couleur. Enfin, il est plus foncé, quoi. Ah, super. Voilà. Vous voyez, c'est la bonne couleur. Et je trouve ça trop beau, ça fait chocolat, j'adore. J'adore cette couleur. C'est mon préféré, franchement. Voilà. Et pour terminer, ce n'est pas un vernis comme celui-là, donc voilà. Donc alors c'est pastel brillance, durcisseur et embellisseur. Donc voilà, il y a 5,5 ml toujours. Voilà, donc là ça montre un peu comment il faut. Enfin voilà, je sais comment faire, n'empêche. Et en fait c'est pas coloré, c'est juste brillance sur les ongles. Donc moi je le mets avant de mettre mon vernis normal. Et ça durcit donc. En fait, je savais pas trop si c'était après ou avant, mais je pense que c'est avant. Après, dites-moi si c'est le contraire. Hein. Voilà. Donc, ces trois verres. En tout cas, je suis vraiment contente. Ensuite, j'avais un cadeau qui m'a offert. Donc, c'est deux stylos. Comme ça, dans un pocheron, je trouve ça vraiment trop chou. Donc, il y en a un qui est comme ça. Là. Voilà. Et l'autre qui est. Donc il y a le motif. Des petites fleurs, tout ça. Voilà. Et je trouve vraiment ça trop chou. Si j'arrive à y remettre. Là. Voilà, donc je vous ferai une partie 2, ce sera mes cadeaux pour la FIMO en fait, donc j'ai eu pas mal, parce que j'en avais bien besoin. Voilà, donc alors, après j'ai une carte cadeau comme ceci, de Citre. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Donc, voilà. Une carte cadeau de Citre. Et en fait, à de Citre, il y a des livres. Il y a de la papeterie aussi. Donc moi, j'aime beaucoup lire. Après, c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Mais voilà. J'achèterai des livres. Et ensuite, j'ai eu deux bons Cultura. Comme ceci. Voilà, donc des cartes cadeaux quoi. Ensuite j'ai eu. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. J'ai eu un jeu.
peut voir, c'est le jeu du logo et des marques. Donc, en fait, j'ai voulu l'année dernière et j'ai vu un autre jeu à la place. J'essaie de mettre trois. Voilà. Donc, en fait, voilà. Donc, comme vous pouvez voir, il faut trouver les marques, tout ça. Bon, après, si vous voulez, il y a une revue sur ce jeu, vous me dites et je vous expliquerai mieux. Voilà, mais j'ai vraiment envie de voir ce jeu. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai eu. excusez-moi. Une chaussette de Noël Kinder. Donc, dedans, il y a plein de chocolat. Il y a un gros papa Noël. Enfin, voilà quoi. Il y a plein de chocolat. J'ai déjà commencé à en manger dedans. Je vais vous montrer un peu. Il y a des Ferrero Rocher. J'en prends un. C'est pif. Là, c'est un Kinder. Hein. Bref, il y a plein de choses. Trop bon. Comme j'ai une grosse gourmande en plus. Voilà. Et le meilleur pour la fin. En tout cas, pour moi, c'est le meilleur. Qu'est-ce que c'est? Donc, là, on a un peu de craft. Je sais pas, j'adore. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et bah, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Donc, voilà. Donc en fait, ça remonte pour deux places pour le concert de Thal à Saint-Étienne le samedi 24 mai 2014. Donc je suis trop contente. Tante, j'adore Thal. Enfin, après, c'est peut-être tout le monde pareil. Mais franchement, j'adore. Et je suis trop, trop contente. J'ai pas encore reçu les billets, enfin les places, quoi. C'est pour ça qu'elle l'a marqué là. Donc voilà, c'est le nom de Saint-Étienne. Enfin, voilà. Samedi 24 mai 2014 à 20h. Voilà, donc, je suis trop contente, et, donc, mais c'est pas encore, hein. Donc, voilà, donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et tout de suite après, bah, je vous fais la vidéo pour la partie 2, donc c'est pour la le cadeau pour la chimie, quoi. Donc bah, à tout à l'heure, bisous.